I will be plus précisément dans le Washington. I will be Mama Marthe né. Mama Marthe né. I will be shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On est un Congolais. Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face. Ce sera l'avant-dernier numéro de la semaine. Nous allons parler, comme je vous avais d'ailleurs déjà dit, que la question de la congolité, j'en parlerai vraiment plus comme avant, hein, parce que je crois avoir fait ce que je pouvais. J'ai apporté ma contribution et les Congolais ont vu ma façon de voir et de comprendre les choses. Donc, je vais continuer à faire des recherches sur la question, mais en tout cas, en attendant, on va passer à autre chose. Et là, je reçois un avocat. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Et donc, de ce fait, il est juriste, naturellement. La question de la nationalité est mieux comprise, mieux comprise par ceux qui l'ont étudié. D'abord, on va faire une analyse holistique de la nationalité, historique aussi, d'où nous sommes venus, d'où nous venons d'où, qu'est-ce que nous avons rencontré au cours du chemin, quelle est l'histoire de la nationalité chez nous, et aujourd'hui, avec toutes ces exclusions, tous les verrous, on en parle. Ça va être à bâton rompu, bien sûr, parce qu'il faut dire que les avocats ont des choses à nous dire sur la question. Maître Eddy Kantabilinga est avec moi. Comment allez-vous, Maître Eddy? Bon, c'est très bien. Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir. Il faut le dire que, au-delà de ta pertinence, je voudrais que l'on navigue sur la question, je vais dire, cruciale et même fondamentale de l'existence d'un pays sur la nationalité. Quelle est la considération que vous apportez ou que vous portez pour la nationalité, sur la nationalité? Monsieur Christian Bossembe, merci de l'occasion que vous nous accordez sur ce débat des sociétés sur lequel plusieurs approches sont en vue. Vous allez écouter ceux qui partagent la science dans les domaines où les éléments liés à la nationalité sont appelés à former notre propre nationalité en tant que citoyen. La nationalité nous donne le droit d'être citoyen d'un pays. À ce sujet-là, c'est une fierté. Pas seulement qu'on prend le temps à admirer la façon dont tu défends la question de la nationalité
partant du citoyen congolais, qui est-il? Mais le charme, la méthode que tu utilises pour écouter de plus en plus ceux qui sont appelés à donner un point de vue, pas prépondérant, mais un point de vue considérable sur la question. Merci parce que tu m'appelles à défendre ma patrie. Oui, c'est ta patrie, c'est ma patrie, c'est notre patrie. Voilà. Pour défendre la patrie, il ne faut pas avoir les gants. Il faut être fier, se battre pour sa patrie et mourir pour sa patrie. C'est la nationalité, c'est la citoyenneté. Qui est Congolais? C'est ça la question première, de savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Nous sommes le seul peuple qui n'a pas eu accès à la nationalité de son colonisateur. Nous devons être fiers d'être nés Congolais, sans transiter par une autre nationalité, sans découler d'une autre nationalité. Alors que les Brazzavillois étaient des Français à un moment donné, les Angolais étaient des Portugais. Portugais. Mais nous n'avons jamais été des Belges. Nous n'avons jamais été Belges. Nous devons être fiers et protéger ce que nous sommes, puisque nous sommes très spéciaux. Nous sommes nés Congolais, comme nos aïeux. Ceux qui ont vu le Congo naître, ils sont nés ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous devons les défendre avec honneur, avec acharnement et sans transiger. Qui est Congolais? La loi a évolué. Et aujourd'hui, la nationalité congolaise n'est pas liée à un aspect. Non. Aujourd'hui, est Congolais celui qui appartient aux groupes ethniques, celui qui a fait l'option d'être Congolais, celui qui est naturalisé Congolais, celui qui a adopté, celui qui a été adopté, celui qui a épousé, par et celui qui a été épousé, qui a voulu être Congolais, et celui qui est trouvé enfin né sur le territoire congolais. Voilà, c'est dans cet ensemble que nous trouvons les citoyens qu'on appelle Congolais. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu pour expliquer quel est votre attendement de l'article 10 de la Constitution, parce que moi, je tente de comprendre la question. Alors, je me pose beaucoup de questions, je me dis soit il y a une mauvaise compréhension, soit il y a une mauvaise écriture, soit les gens se sont perdus totalement. Dites-nous, selon vous, quelle est la compréhension de appartenir aux groupes ethniques? Aux groupes ethniques, là, c'est le fait d'avoir deux ethnies, des pères et des mères, ou c'est le fait d'appartenir à une seule ethnie des ethnies qui existaient déjà à l'époque? Merci beaucoup. La question que tu me poses, elle est hautement pertinente. Merci. C'est une question de vie ou de mort pour un citoyen. La constitution que nous avons... Vous allez me donner ma constitution aussi, hein? Oui. Allez-y. Il faut dire d'abord que depuis 2006, quand cette option a été promulguée, il faut élaguer en respect à l'article 221 de cette constitution toute autre disposition législative, réglementaire qui est contraire à la présente constitution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous sommes Congolais par affiliation non pas aux personnes naître des pères et des mères congolais, non. Nous sommes Congolais d'origine par appartenance aux groupes ethniques. Ah, d'accord. C'est donc, ça l'actuelle constitution. Ok. Donc, tu ne peux pas être Congolais si tu n'es pas Mungala ou si tu n'es pas Mulumba, si tu n'es pas Bandundu. Il faut d'abord commencer par là. Par là. Ah, d'accord. C'est ça ce que dit la constitution. Les débats que j'ai suivis, naître de l'un des parents congolais, c'est exclu par la présente constitution. Alors, je voudrais qu'on revienne d'abord sur la question des groupes ethniques. Oui. Continuons d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par groupe ethnique? Parce que là, il y a aussi un véritable problème. D'abord, on va parler philosophiquement ou sociologiquement.
qui constitue les ethnies. Le travail a été fait quand? En 1850, disons 55, je crois, ou c'était quand déjà l'année? En 1888. 88, voilà. Est-ce que le travail est fait en 1850, 1860, ou le travail est clos en 1860? Le travail des ethnies du Congo, oui. Les Belges l'ont limité au débat sur les recherches qui ont été menées par des chercheurs belges sur les ethnies du Congo qui sont identifiées, on l'a limité en 1888. Ah d'accord, en 1888. On limite les ethnies. Les ethnies. Très bien. Parce que en 1965, lorsque après qu'on ait la constitution de Luabu, qui parle de la constitution d'origine liée aux ethnies, on fait référence à la liste des ethnies qui date de 1888. Très bien. Donc, si je comprends bien, l'un de vos parents ne se trouve pas dans une ethnie listée par la République démocratique du Congo en ce temps-là, en 1888, vous n'êtes pas congolais d'origine. Okay. D'origine. D'accord. Alors, maintenant, les groupes ethnies se rapportent à l'origine de l'État, de notre nation. Oui. Okay. Donc, c'est fondamental, il faut le dire. C'est très fondamental. Pourquoi? Parce que l'État doit reposer sur la nation. Or, la nation, c'est l'ensemble des ethnies. Des ethnies qui doivent exister dans les limites de nos frontières. Alors, que dire de ces ethnies qui traversent les frontières? C'est le débat qui a fait changer la loi sur la nationalité dans notre pays à maintes fois. C'est la loi qui a plus évolué de 1964, 65, 71, 72, 1981, 1999, sans passer aussi par 1987 avec le code de la famille, avec la loi, le degré loi constitutionnelle de Mouzé en 97. En 99, on a aussi révisé la loi sur la nationalité suite à la guerre qu'il y a eu avec les amis qui l'avaient accompagné, qu'on avait décrié, qu'on ne pouvait pas faire la guerre à sa patrie en amenant les étrangers. Les conséquences, il est revenu vite, Mouzé, en 99, pour dire « Un Congolais d'origine, de père et de mère, c'est lui dont les parents appartiennent au groupe ethnique » qui forme ce qu'est devenu la RDC en 1960. Revenant à votre question, nous ne sommes pas limités à 1888. La question a évolué parce que les chercheurs se sont contredits. Les ethnies ont encore été répertoriées en 1908. Donc, on a parfait la liste. En 65, on renvoyait à la liste de 1888. Non, 1908. 8. Ces ethnies ont été identifiées. Maintenant, pour savoir, à votre question, ceux qui traversent les frontières, qui viennent chez nous? Non, les ethnies qui traversent les frontières. Oui, par qui exemple, viennent chez nous. Oui, oui. Par exemple, les Zombo. Qui viennent chez nous? Oui. Les Zombo, les à partir de l'Est là-bas, vers Centrafrique. Bref, nos côtés limitrophes. Oui. Dans ce débat-là, nous qualifions cette discrimination de positive pour ceux qui vont nous profiter en tant que Congolais. Pourquoi? Parce que les frontières tracées par les colonisateurs, lorsque l'Afrique est dépiécée, comme disait le maréchal, l'Afrique est dépiécée, on passe les frontières contre notre propre volonté. On a divisé les clans et les ethnies en passant les frontières sur des villages entiers. L'oncle est du côté A. Les gens qui étaient allés au marché ou dans la forêt sont restés là-bas. Sont restés là-bas. Oui. Donc, quand vous restez là-bas, la nationalité congolaise vous échappe. Oui. Vous ne pouvez pas la revendiquer comme Congolais d'origine. Il faut maintenant passer par la naturalisation. Si vous traversez, ça ne suffit pas.
vous devez avoir le statut d'étranger. Oui, mais... Quitte à vous de vous naturaliser. Alors, en vous naturalisant, vous perdez beaucoup d'avantages. D'avantage, vous... Oui, mais vous avez la même ethnie. Vous avez la même ethnie. Le conflit, il est là. Si nous renvoyons les gens dans une ethnie pour que ça forme le Congo, la nationalité congolaise, alors je me retrouve dans une situation où je suis naturalisé avec une ethnie qui forme la nationalité complète. Non. C'est une ambiguïté. Tu n'es pas de l'ethnie du Congo, parce que tous les naturalisés ne sont pas congolais d'origine, n'appartiennent pas à nos ethnies. Je suis bien d'accord. Oui. Non, je répondais à votre logique. Oui. Je vous donne un exemple. On est Zombo. Prenons le cas des Bazombo. Oui. Les Bazombo, supposons que c'était notre nationalité, c'était notre tribu, oui. On suppose. Mais alors, il y a deux Zombo, trois Zombo qui étaient allés au champ. Au champ. Et puis, on ne sait pas. On ne sait pas. On dit, non, écoutez, votre nationalité vous a échappé. Bon, parce que vous êtes devenu Angolais. Oui. Eh bien, non, ils disent, OK, pas de problème, on va se naturaliser. Ils viennent se naturaliser. Mais quand ils lisent la loi, on dit, non, mais il faut appartenir à une ethnie. Mais après, ils disent, mais quelle ethnie? L'ethnie Zombo. Mais moi, je suis de l'ethnie Zombo. Alors, donc, on va naturaliser. Sans ethnie. D'accord. Sans ethnie. Mmh. Donc, quand on est naturalisé, on n'appartient pas aux ethnies qui forment le Congo. Oui, on le fait pas, oui. Mais c'est quand même assez compliqué. C'est ça. C'est délicat quand même, mais... C'est ça, les faits ou les principes qui dit qui part à la chasse, perd sa place. Donc, tu es parti au marché, oui. Tu perds la nationalité congolaise. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de corriger ça, nous-mêmes, aujourd'hui? Est-ce que ça va relever au niveau de l'Union africaine? Mais c'est vrai que c'est un débat presque perdu, parce qu'il faut revisiter les frontières. Les frontières, c'est autre chose. Aucun pays aujourd'hui ne peut accepter. Aucun pays ne le voudra. Ne peut accepter qu'on puisse le voir les frontières. Donc, ce débat est perdu, mais nous restons avec les faits. Nous restons avec les faits. Oui. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Et globaux. Donc, ça s'impose comme ça. Alors, on évolue maintenant. Nationalité congolaise. Est-ce que la présidence du Congo, son accès est verrouillé? Par l'actuelle constitution. Elle est verrouillée? Oui. Qui sont exclus? On a parlé des naturalisés, des enfants trouvés par le sol, tout ce que vous avez dit là. C'est ça? L'actuelle constitution dit dans son article... 10, je crois. Non, 70, je crois. 72? Sur les conditions d'accès à la présidence. C'est 72. 72, premier point. Posséder la nationalité congolaise d'origine. D'origine. Et l'article 10, alinéa 3, définit qui est congolais d'origine. Oui, mais c'est là le problème. Je vais lire. La nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Alors, maintenant on définit l'origine. C'est quoi la nationalité d'origine? Toute personne appartenant aux groupes ethniques. Non, on dit... Et congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques. Dans maintenant, les personnes. Regardez, oui. Nous sommes sur un débat hautement intellectuel, savant, parce que c'est la langue officielle qui est la langue de notre constitution. On dit toute personne. C'est au singulier. Quant à l'appartenance au groupe, c'est au pluriel. Donc, vous devez avoir le rattachement à au moins deux tribus pour être congolais d'origine. Ah, voilà là, le sens de ma question. C'est ça. Aux groupes ethniques. Oui. Alors, on n'a pas dit à un groupe ethnique. Non. Aux groupes ethniques. Alors, aux groupes ethniques, là, on fait allusion à qui? Ah, je veux dire, Eddie Kantabilenga doit avoir au moins deux groupes ethniques. Est-ce que c'est tout par déduction des pères et des mères? Où tes parents peuvent venir d'une seule tribu, d'une seule ethnie? C'est la faiblesse de cette rédaction. Voilà. Parce que vous avez des Congolais qui peuvent naître d'un lien incestueux. Ou même d'une même tribu. Même aller en Bandaka, vous allez voir par exemple, papa Mongo, maman Mongo, 100% Mongo. Oh, dans les cas sous examen, ils appartiennent à un groupe ethnique. Voilà. Or, la Constitution dit, est congolais d'origine, celui qui appartient à... Mais est-ce que... Voilà, la question, Maître Eddy, c'est très intéressante. Vous dites, toute personne appartenant aux groupes ethniques. Est-ce que aux groupes ethniques, là, oui. Est-ce que ce n'est pas le fait de l'ensemble des groupes ethniques que nous avons? Par exemple, je veux dire,
citer moi deux ethnies qu'on connaît, on peut connaître facilement. Les Louba, par exemple. Les Louba, Les Louba, les Tétéla. Les Tétéla. Ok. Est-ce que l'on dit, on ne dit pas ça? Les Bachelélé. Est-ce qu'on ne dit pas ça par énumération? Est-ce qu'on le dit par, comme vous dites bien, c'est normatif, tout ça? Oui, puisque, regardez les verbes qu'il y a. Appartenant. Appartenir. Oui. C'est un lien direct. Et non un lien de déduction. La question dit clairement appartenir au. Donc, il faut avoir les liens de rattachement. Puisque l'affiliation, il est question de rattachement au. Donc, si vous avez un attachement, c'est insuffisant pour être congolais d'origine par rapport à l'entendement du constituant. Alors là, mais c'est pourquoi dans... Lorsque le constituant veut dire une chose, il est dit de manière claire, limpide et non équivoque. Pourquoi? En 64, l'on a écrit in extenso qu'il faut appartenir à l'un des groupes ethniques. Ah, là, c'était quand même assez clair. C'était clair. Oui. À l'un. Lorsqu'on change l'écriture, la légistique, lorsqu'on change l'écriture, on dit appartenir à l'un n'est pas suffisant, ne profite pas, n'est pas verrué. L'on dit O. Oh. Vous ne pouvez pas comprendre O oh, ici en excluant cette compréhension première. Vous devez évoluer avec la loi. Pourquoi on a changé? On a changé parce que ce n'était pas clair ou on a changé pour verrué. Nous disons ici, on a changé pour verrué. Ah, parce qu'on estimait que un groupe, comme vous dites, dans l'un des groupes ethniques, ça veut dire que ma mère peut être étrangère, et bien elle vient du moment où je suis avec mon père qui est congolais. La question, oui. La ratio legis de ces aux groupes ethniques oui. Repose sur les craintes qu'avait affiché les législateurs pour les Congolais qui vivent à la frontière. Oui, 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 oui. Qui vivent à la frontière pour dire il appartient à un groupe ethnique du Congo et de l'étranger. Parce qu'à la frontière, on peut épouser facilement, parce qu'on est habitué, les us et coutumes semblent être communs, on peut épouser ailleurs, ainsi de suite. Donc, alors, le législateur a estimé que lorsqu'on dit à un seul groupe ethnique, les risques d'infiltration partiraient des situations sociologiques de nos frontières et des villages qui ont été scindés en deux par le tracé des lignes frontalières. Alors, je voudrais que vous puissiez me dire, selon vous, appartenez-vous aux deux groupes ethniques ou à un seul groupe ethnique? À deux groupes ethniques. Lesquels? Je suis ma mère et Moulouba d'Ngandajika, okay. Mon père et Moulouba de Katanda. Ce sont les deux groupes ethniques. Oui. Moi, par exemple, je suis aussi de deux groupes ethniques. Oui. Du moment où ma mère et moi, vous, oui. Et mon père est Mongo. Oui. Ça fait de moi appartenant à deux groupes ethniques. Tu es congolais d'origine. Donc, d'origine. Par déduction, tu es congolais d'origine. Bon, alors. L'entendement de l'actuelle loi. Hein. Mais alors, si vous avez quelqu'un qui est né des parents Mongo complètement, alors il est foutu. L'ethnie, maintenant, il faut différencier l'ethnie avec les clans. Oui, parce que le Mongo, c'est pas un clan. Le Mongo, je crois que ça doit être une ethnie. Il faut différencier l'ethnie. Oui. C'est pourquoi je t'ai dit d'entrée de jeu ici que ce débat, par rapport à l'écriture du législateur, il faut aussi appeler les ethnologues. Exactement. Hein, qui doivent vous dire quelles sont les ethnies que nous avons au Congo, clairement identifiées, après des études fouillées, pour dire les Mongo, c'est un clan qui est composé de autant d'ethnies. Est-ce que vous pouvez imaginer que est-ce que dans cette réponse, on comprendrait que celui qui est né d'une famille d'un père Tétéla et d'une mère Tétéla est mal barré par cette constitution? C'est ça, c'est ce que dit la constitution. Il faut appartenir. Pourtant, congolais d'origine. Oui. Alors, mais et si nous deux, on, parce que je veux vous dire la vérité, j'épouse totalement votre point de vue, mais ma crainte. Non, le point de vue du législateur que je partage, que je défends. Notre compréhension, on va dire votre compréhension. Voilà, notre compréhension. Oui, moi, j'épouse ça. Mais
Eddie, et si on s'est trompé nous deux? Non. Comment... Et si on s'est trompé par compréhension? Et si nous avons mal compris? Non. La rédaction. Nous pouvons nous tromper si cette écriture était la première. Ok. Elle n'est pas la première. Parce que la Constitution n'a pas commencé avec la Constitution de 2006. Oui, il y a eu quand même beaucoup de Constitutions. Les autres écritures de la Constitution consistaient en quoi? Que disaient les autres Constitutions d'abord? Là, vous nous avez parlé d'une, mais les autres, qu'est-ce qu'elles disaient? Les autres au sujet disaient de la nationalité. Il faut appartenir ou être descendant des groupes ethniques. Ok. Vous voyez? Appartenir ou être descendant. Donc, pour comprendre l'actuelle Constitution, il faut au moins partir d'abord de ses sources. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que être Congolais de père et de mère ne suffit pas? Être Congolais de père et de mère congolais ne suffit pas, ça ne veut absolument rien dire. Être Congolais de père et de mère, c'est une écriture, si jamais elle figure dans la Constitution, nous sommes foutus. Oui, foutus. Nous pouvons être infiltrés à tout moment. Oui, par n'importe qui aussi. Par n'importe qui aussi. Parce que il suffit que deux étrangers se soient naturalisés congolais, ils donnent naissance à un gamin ou à une fille. Cette fille est née des parents congolais. Et nous, on est mal barrés. On est mal barrés. Donc ça peut être un Chinois. Ça peut être un, vous prenez le cas, un Chinois qui est passé congolais, avec une Libanaise qui est passée congolais, il donne naissance à un enfant sans nationalité. Quand on dit de père et de mère, mais ses pères et mères sont congolais. Donc Abed Achour est congolais. Mais c'est ça la conséquence. Si l'on peut se tenir à ça comme écriture, c'est un grand risque. Il ne suffit pas qu'on puisse l'accepter aussi facilement sans l'amender. Pourquoi? Du conflit entre le président Laurent Kabila et les groupes et ses amis rwandais, il est venu vite en 1999 dans la loi sur la nationalité stopper ses amis à être congolais, oubliant, parce qu'il avait fait d'eux un ministre des Affaires étrangères, l'autre, chef d'état-major, quand il rentre vite des conflits qui éclatent en 98, en août, en 99, il change par la loi spéciale, il lui dit, est congolais, il faut être congolais d'origine des pères et des mères. Hors d'origine, on fait référence aux groupes ethniques. Ouais. Je vois. Vous comprenez? Je vois. Donc, pour comprendre l'actuelle écriture, il faut partir de ce qui a existé dans ce pays. Alors, quelle est la bonne rédaction selon vous? Qu'est-ce qui devrait être écrit en réalité? Ce qui devait être écrit, pour ma part, c'est devait être une combinaison d'appartenance. Naître et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques qui forment l'actuelle République et naître des Congolais d'origine, de père et mère. Mais d'origine, ça va encore nous renvoyer. Oui. La tautologie dans l'écriture des textes, c'est une insistance. On insiste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que si on disait par exemple, est Congolais d'origine tout celui qui est né d'un père et d'un père et d'une mère congolaise de souche. Règle pas? Des souches, il faut maintenant que l'entendement des souches, oui, soit aussi clarifié. D'accord. Okay. Il faut aussi clarifier les souches. Il faut peut-être clarifier les souches en disant parce que les souches, oui, nous avons des Congolais de souches qui n'ont pas une souche liée aux ethnies, mais qui ont une souche liée à une situation de fait. Oui. Les réfugiés, par exemple? Oui. Un Congolais né, celui qui est trouvé né, un enfant né, trouvé. Dont on ignore la... Les pères et mères. Les pères et mères. C'est une situation de fait. Ouais. S'il épouse une Congolaise qui est aussi dans sa situation, née par les faits, on ne connaît pas son père et sa mère,
ils sont congolais. C'est aussi une souche. On est très mal barré parce que là, ils donnent des naissances à des gens qu'on connaît, on ne connaîtra jamais. Mais plus tard, avec les droits du génétique, on va les identifier comme des Belges et des Angolais. On est foutus. Donc, il faut clarifier plutôt les souches. Les souches, il faut aussi les clarifier et les mettre en évidence pour éviter toute confusion. Et pourquoi ne pas copier les autres qui ont déjà fait une preuve sur la question? Ça veut dire les Égyptiens, par exemple, les Algériens, eux au moins ont été beaucoup plus clairs dans leurs lois. Il faut que ton père et ta mère soient connus des gens du coin, bon, qu'ils aient et aussi leur père et leur mère congolais ou dans ce pays-là, et qu'il n'y ait jamais eu, jamais alors d'interférences d'une quelconque tu me rappelles par ta question sage et pertinente une situation congolaise. On a dit dans une aventure sur la loi, sur les recensements, non, sur l'enrôlement, que je puis amener 7 Congolais. Et puis c'est qui, tout. Qui peuvent témoigner que oui. Je suis. Ça passe. Donc, si on fait par témoignage, on est foutu encore davantage. Parce qu'il suffit de donner 5 000 à quelqu'un. À quelqu'un, il gagne. Et puis, le Congolais te dit d'abord, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Il est Congolais. Tu vois? Donc, la question est hautement sensible et complexe. Okay. Mais dit Kanta Bilenga, est-ce que vous voyez cette menace venir? Pourquoi tout le monde veut devenir président au Congo? Pourquoi tout le monde veut diriger ce pays? Tout le monde veut devenir président au Congo parce que la raison est connue dans tous les milieux de ceux qui observent la chose publique. La société congolaise est en ruine. Il y a émergence d'une classe de bourgeois. C'est la classe des politiciens. Maintenant, chacun commence à exprimer une ambition par rapport à la politique. Alors, les débats qu'il y a aujourd'hui... Parce que je peux être un bon administratif, mais sans influence politique, ou le choix... Tu peux être Christian Moussimouti, un garçon extrêmement intelligent, extraordinaire. Merci. Mais comme tu n'as pas de parti politique... Comme tu n'appartiens pas, tu n'es pas actif dans un groupe folklorique et socioculturel, ton nom ne passera pas ministre. C'est aujourd'hui, avec l'actuel régime, le président Félix Tshisekedi, qui arrive à nommer des personnalités. Mais aujourd'hui, parlons-en, avez-vous suivi les débats de la nationalité, ce débat de Noël Tiani sur la nationalité, et que c'est les katumbistes qui ont finalement pris la parole en disant « Vous voulez exclure Moïse Katumbi des élections présidentielles ?» J'ai suivi les débats. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Les gens qui prétendent défendre Moïse Katumbi avant les échéances de 2023 plaident à dominem. Ils plaident contre eux-mêmes. Lorsqu'on dit nous voulons réviser la loi sur la nationalité, la mettre au diapason de tel contexte ou pour telle raison. D'autant plus que M. Tiani n'est pas député pour avoir les droits de faire une proposition de loi, ni membre du gouvernement pour venir avec un projet de loi. Ce que fait Tiani, c'est un débat des sociétés. C'est une réflexion. C'est une réflexion. Lorsque ils rebondissent contre cette proposition de débat républicain, du reste, par déduction, qui est une méthode scientifique, l'on dit à leur leader qu'il n'est pas congolais. Remplissant les conditions là. Comment? C'est ça ce que ça veut dire. Puisque lorsque on veut soutenir un raisonnement, il ne suffit pas de le dire. Il faut aussi voir les risques de ces raisonnements que vous soutenez.
Parce que par déduction, vous dites, lui est touché, donc lui n'est pas. Il fallait laisser le débat partir. Si la loi passait, les mois venus d'exclusion de candidature, ce n'est pas au Parlement, c'est à la CENI. Lorsqu'on commence le débat aujourd'hui, l'on sait que Katumbi ne réunit pas ces conditions-là. Mais avant d'abord d'aller dans Katumbi, il y a d'abord la question de la loi. Des gens estiment que la loi, la réflexion de Noël Tiani est contre la Constitution. C'est une réflexion anticonstitutionnelle. Non, mais c'est Christian, vous savez, dans ces pays, nous sommes habitués par les régimes passés à débattre de tout, même sans qualité. Un débat, en quoi il peut ne pas être constitutionnel? Quel est le lien d'abord? C'est un débat. C'est un débat avec la Constitution. Oui. Qu'est-ce que ça va avec la Constitution? Pour dire qu'il est inconstitutionnel. Alors, un débat. Mais les gens disent aussi que Noël Tiani, ce n'est pas un bon père de famille. Il a plusieurs femmes et tout ça. Alors, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la nature du débat? Qu'est-ce que ça a à voir, vous? Déjà. Oui. Parce que nous savons qu'il y a une différenciation, il y a une limite entre la vie publique et la vie privée. Quand quelqu'un vient avec un débat sur la vie publique, vous vous rentrez dans la vie privée. Donc c'est un faux fouillant. Faux fouillant, vous n'avez pas d'argument sur ce qu'il amène. Alors parlons de ce qu'il amène comme débat. Est-ce que c'est une réflexion qui tient la route ou c'est une réflexion qui a déjà trouvé des solutions, qui a déjà... Donc, ça veut dire, comme on dit souvent, vous réfléchissez sur ce qui a déjà existé, dont les réponses ont déjà été connues, ainsi de suite. Pour ma part, Monsieur Christian Bossembe, cher ami, sincèrement, je vous dis que ce qui amène ou ce débat, à mon sens, est sans objet. Vous poursuivez? Pourquoi il est sans objet? Parce que la Constitution dit, la Constitution a déjà verrouillé l'accès à 3 postes dans notre pays. La Constitution a déjà verrouillé 3 postes. Donc, c'est cette Constitution ici. C'est les postes du président de la République et du président des deux chambres. Les articles L'article 111. Deuxième point. L'article 111. Les membres de l'Assemblée nationale. Non, deuxième point. Pas un des trois noms. Deuxième alinéa. Les présidents des deux chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de leur chambre respective. Ah, les présidents des deux chambres doivent être des Congolais d'origine. Mais toi et moi, on a débattu sur la question d'origine. La rédaction, elle est mal faite. Non, pas mal faite. Et là, une faiblesse, parce qu'elle exclut ceux qui appartiennent à un groupe ethnique. Oui. C'est ça la faiblesse. Mais c'est déjà verrouillé par la Constitution. Si on veut verrouiller, comme on le dit, mais c'est déjà verrouillé, puisque pour être député, être sénateur, la loi dit, la Constitution dit, il faut être congolais. Ça veut dire, tout celui qui est naturalisé, peut être député, peut être sénateur. Mais pour être président de deux chambres du Parlement, il faut être congolais d'origine. Pour être chef de l'État, il faut être congolais d'origine. Donc, ce n'est pas un vous pouvez toujours revenir sur la question d'origine parce que vous devez appartenir aux groupes ethniques. C'est ça même là. L'esprit et la lettre de l'actuelle constitution. Tout le monde ne peut pas être chef de l'État. Soit-il qu'on ait beaucoup de moyens ou pas, ou qu'on soit le plus intelligent possible. Si tu n'es pas congolais d'origine, tu ne seras pas chef de l'État dans ce pays avec cette constitution. C'est déjà verrouillé. Donc, le congolais d'origine. Oui. Moïse Katumbi a dit, par exemple, que sa mère était enterrée ici au Congo. Et que lui, il ne connaît que le Congo comme pays. Et qu'il avait toutes ses affaires au Congo. Et qu'il est mieux d'ailleurs que beaucoup de Congolais qui volent, qui pillent la République. Lui, il a répondu aux questions. Non,
Non, M. Christian Bossembe, si sa mère est enterrée au Congo, elle n'est pas la première à être enterrée au Congo. Il y a eu des Belges qui sont venus nous coloniser, qui sont morts enterrés ici. Leurs enfants sont pour autant Congolais d'origine. Un Congolais qui a volé la République, qui a tué son compatriote, c'est des faits vérifiables, vrais. Pour autant, ils ne sont pas Congolais d'origine. Non, ces arguments sont à laisser dans la poubelle de l'histoire. Revenons au vrai débat. Au vrai débat. Alors, le vrai débat, oui, c'est de savoir est-ce que le poste est verrouillé. Nous disons oui, il est verrouillé. Alors maintenant, pour ceux qui pensent, moi par exemple... Parce qu'il est verrouillé non seulement à celui qui est mono-ethnique actuellement, mais à tous ceux qui se sont fait congolais par l'effet de la loi. Lorsque vous êtes mono-ethnique, vous êtes... Exclu. Exclu. Oui. C'est une vote sérieuse. C'est la question est claire à ce sujet. Mais Mobutu n'est pas... J'allais dire Mobutu, mais Mobutu n'est pas dans ça. Revenons sur la question, maintenant, pratique. Quelle est la situation de Moïse Katumbi Tshakwe en ce moment? Parce que ça va justifier toutes les agitations de ses compères, de ce poulain et même de ses défenseurs. Quelle est sa situation actuelle par rapport à la loi? Monsieur Christian Bossembe, cher ami, j'ai toujours préféré parler des principes, des idées. Mais sur un plateau comme le tien, ne pas répondre à cette question pertinente, c'est un motif de lâcheté. Parce que c'est un débat républicain, c'est un débat des conditions pour accéder à quelque chose. Lorsque je prends les faits, nous suivons Moïse Katumbi dans la guerre avec les gens du FCC, on lui refuse le retour au Congo, il est qualifié d'Italien, des Juifs, des Zambiens. Sans oublier que je vous ai passé un ouvrage de 4 mois manqués, de reste mémoire. Ma part de vérité. Ma part de vérité. Où Moïse Katumbi s'est identifié comme Zambien. Oh. Le témoin vivant, pasteur Ngoyi Mulunda, était dans la délégation. Moïse Katumbi est identifié comme un sujet zambien. Par qui? Katumba Mwangi. Autour des tracts qu'il avait fait arrêter par le président zambien sur une créance. Je l'ai suivi. Mon père était juif, un commerçant juif qui est passé italien et qui n'était pas comme les autres juifs. Il est venu, il a épousé ma mère. Elle n'était pas comme les autres juifs, ça veut dire quoi? Pardon? Ne pas être comme les autres juifs, ça veut dire quoi? Les autres juifs qui n'aiment pas partager la semence avec d'autres femmes, d'autres origines. À égard de la logique de Moïse, ne pas épouser les étrangères. Oui. Très bien. Son père a fait une différence en allant épouser sa mère. Sa mère, entre guillemets, qui est Bemba. Si Moïse Katumbi est congolais, entre guillemets, par sa mère. Mais il est mono-ethnique. Mono-ethnique, donc exclu par la Constitution. L'actuelle Constitution. Parce qu'il faut être bi-ethnique. On évolue. La loi sur la nationalité de 1981 avait express, webis, reconnu à la femme de transmettre les droits de transmettre la nationalité congolaise à l'enfant. La plénitude de la nationalité. Non, reconnaître à la femme congolaise qu'elle pouvait transmettre la filiation la filiation de la nationalité par
par l'affiliation. Pas affiliation, l'affiliation. Parce que affiliation et filiation, il y a des débats juridiques et des situations différentes. C'est seulement en 1981 qu'une femme congolaise, soit-elle, pouvait transmettre la nationalité congolaise à ses enfants. Ça veut dire que ceux qui sont nés avant 81, du côté femme, ne pouvaient pas. Parce que la loi ne rétroagit pas. La loi, c'est pour l'avenir. Ça ne rétroagit pas. Il n'y a pas de rétroaction. Maintenant, peut-on devenir congolais spontané? Ah, donc vous voulez dire que dans l'hypothèse où la maman de Katumbi est une congolaise, pour avoir donné naissance à Katumbi, Moïse Katumbi, avant la venue de cette loi-là, donc... Il est exclu. Donc ici, il est exclu doublement. Mais il est exclu par la loi. Non, mais c'est que... C'est fini. Il va rebondir terriblement. Non, mais la loi l'exclut parce qu'il est né avant 81. Le fait d'être né avant 81... La femme n'avait pas le droit de transmettre la nationalité à ses enfants. Et comme la loi ne rétroagit pas... Ne rétroagit pas, mais lui est exclu. On ne les fait pas pour le passé. C'est pour l'avenir. Attendez. Ça, c'est une révélation, je ne savais pas ça. Donc, on va revenir sur la question. Si je comprends bien, la loi... Quelle loi déjà vous avez dit? De 81. Alors, la loi de 81... Sur la nationalité. Sur la nationalité, reconnaît à une femme de transmettre la nationalité. À son enfant. À son enfant. Oui. Donc, les femmes qui ont mis au monde en 80, elles ne pouvaient pas dire que je donne la nationalité. Non. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Il y a rien d'abourré. Donc, c'est comme ça. Mais c'est en 81 que tout est fait maintenant. Oh, l'émancipation des femmes, les droits des femmes, ça a évolué. C'est en 81, comme je vous l'ai dit, les textes sont là. Allez-y au journal officiel, les textes sont là. Une femme congolaise qui fait un enfant avec un étranger ne pouvait transmettre sa nationalité à l'enfant. Ok. C'est en 81 que la loi a reconnu ce droit-là à la femme. Maintenant, dites-moi, celui qui est né d'un père étranger avant 81. C'est mal barré, totalement mal barré, parce que ta maman ne donne pas la nationalité. Mais c'est notre jurisprudence. Ah, mais non, en ce moment, Alors, ce qui est vrai. Alors, mais je crois que c'est peut-être le plus grand piège qui va bloquer Moïse Katumbi si jamais on va soulever cette exception-là. Puisque la nationalité congolaise est de naissance pour ceux qui sont congolais appartenant au groupe ethnique. C'est une situation juridique réglée. Vous êtes né d'une femme, entre guillemets, congolaise. Mais la loi ne vous reconnaît pas. Ou ne reconnaît pas à votre maman de passer sa nationalité à vous. Parce qu'à ce moment-là, la loi n'existait pas encore sur la question. Et donc, là, j'ai trouvé deux verrous. Le premier verrou, ce qui est d'abord, même si sa mère est totalement congolaise, il y a un problème monolithique. Oui. Pardon, je veux dire mono-ethnique. Mono-ethnique. Tu n'as qu'une seule ethnie, alors qu'ici, il faut appartenir au moins à deux. Et puis, non seulement ça, même si de l'autre côté, on fait passer, mais le fait que ta mère ne pouvait pas t'accorder la nationalité... Par filiation. Par filiation, on est foutu. Tu es foutu. Et même si ta mère te donnait la nationalité par filiation, pour être président, encore exclu. Il faut être au moins bi-ethnique. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un débat? C'est vrai, les débats s'arrêtent là. Et même l'objet de notre émission aussi, ça s'arrête là. Mais non, on va peut-être terminer l'émission, mais avec une autre question, de savoir c'est quoi la suite des événements maintenant. Parce que quand on regarde dans la toile, on a comme l'impression que du côté de Katumbi, ça se calmait un peu, je sais pas moi, les gens ont arrêté un peu. Et de l'autre côté, Noël Tiani aura une conférence de presse demain. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer? Donc, le chef de l'État, par exemple, a répondu, ben, on a posé la question sur la loi, il répond pas, il dit, lui, c'est préoccupé pour les Congolais qui sont à l'étranger, les Congolais qui, malgré qu'ils ont changé de nationalité, mais ils aiment le Congo, ils investissent au Congo, ils doivent venir participer au débat des Congolais, et ainsi de suite.
Et je trouve que ça normal. Mais, allez. Sur la question, moi, je partage le point de vue du chef de l'État à une seule condition. Les Congolais d'origine qui se sont passés français, belges et consorts, moi, je suggère au chef de l'État de les classer dans la petite naturalisation. Tu penses qu'ils peuvent pas être présidents de la République au Congo? Non. Pourquoi? Parce que les principes, c'est l'unicité de la Mais ils vont renoncer. S'ils renoncent, oui. Je préfère qu'on mette encore une condition de durée de renonciation. Comme nous avons vu avec le cas Badibanga, Sami, il est exclu par la CENI, il fait un recours, il est réhabilité le même jour. Donc, il est reconnu, il a renoncé, et il passe candidat président de la République. C'est un danger. Nous l'avons connu avec Kachala. Il fait sa vie en aisance aux États-Unis. Il ne connaît pas nos réalités. À la veille des élections, il vient candidat puisqu'il s'estime congolais. Non. Si tu veux travailler pour le Congo, il faut rester au Congo. Mais vous n'allez pas. Pour moi, j'estime. Il faut combien d'années pour vous, selon vous? 5 ans au moins. 5 ans. Un mandat au moins. Tu es en communication avec, oui. avec les Congolais. Oui. Et puis, dans 5 ans, tu peux rester sans bouger, sans sortir. Oui, rester ici. De façon ininterrompue. Oui. Pendant 5 ans. 5 ans, tu es ici avec les Congolais. Puisque tu ne vas pas servir les Belges. Ah, parce que moi, je me disais, moi, personnellement, dans mes analyses, j'étais en train de me dire. On pouvait ouvrir à ces gens la possibilité aux Congolais d'origine appartenant à deux ethnies comme toi. Ils sont d'origine comme ça, mais ils sont allés pour des raisons de vie, pour des raisons d'inquiétude, pour des raisons je ne sais rien. Ils ont changé de nationalité. Mais à eux, moi, je pense qu'ils peuvent revenir au pays s'ils renoncent à leur nationalité. Mais c'est vrai que je n'avais pas, Émile, pensé à la durée. Oui, je crois que c'est nécessaire aussi. Il faut qu'il y ait si vous pensez être président en 2028, même... revenez déjà en 2022, vous restez au pays pendant 5 ans. Parce que être Congolais dans ces conditions actuelles que nous avons hérité du régime Kabila, il faut être tenace. Hein. Il faut venir vivre avec nous et tenir. Tous ceux qui viennent avec le débat, mais ils fuient. Vous savez, M. Christian Bossembe, nous débattons sur une question hautement politique. Qui donne le droit aux citoyens et accès à certaines fonctions de prestige. Lorsque, après la fonction du chef de l'État, la Constitution dit que vous devez devenir sénateur à vie. C'est une fierté, tu as servi la République au plus haut niveau. Alors, au plus haut niveau comme celui-là, on ne peut pas avoir un aventurier qui n'est pas citoyen. Quid alors de tous les autres individus, expatriés, bien entendu, à qui on peut donner la nationalité congolaise parce qu'ils ont des attaches au Congo, qui ont investi des millions de dollars, qui emploient plus de Congolais. On leur donne la nationalité, ils deviennent chefs de l'État. Non. Pour les Congolais qui vivent à l'extérieur du pays, qui se sont naturalisés dans des conditions que nous savons, la plupart, pas leurs enfants. Les motivations des enfants, c'est la conséquence de leur souffrance à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a eu une époque. Hein, la vie était difficile au Congo. Les gens ont émigré ailleurs. De par l'immigration, ils trouvent que dans ces pays hôtes, les conditions d'accès à certains services publics étaient liées à la nationalité. Ça donnait droit à certaines facilités. Ils ont changé de nationalité en fonction de ces avantages-là. Or, chez nous, ce n'est pas ça. Même un étranger peut venir aujourd'hui, il vend de l'eau. Ailleurs, pour vendre de l'eau, c'est une catégorisation. Toi, tu es exclu, tu ne peux pas vendre ça. Il ne vend pas. Chez nous, c'est le contraire. Pour moi, j'estime que ces gens-là, on peut leur reconnaître la petite naturalisation. Maintenant, leurs enfants, ça pose un problème par rapport à nos lois.
Les lois, la loi congolaise, elle est stricte. Hein. Les gens ne devraient pas venir. La loi sur la nationalité de 2004 dit ce qui suit. Si tu es né d'un parent étranger et d'une femme congolaise, les conditions pour être congolais, il faut que dans la loi de votre père, qu'il n'y ait pas l'exclusivité de la nationalité de votre père. Votre nationalité doit être ouverte. Si elle est exclusive, la nôtre exclusive, tu as du mal à être congolais. Oui, parce qu'il y a deux exclusivités, exclusions, on va dire. Voilà. Donc, pour être congolais, il ne suffit pas que tu puisses naître d'une femme congolaise. Il faut maintenant vérifier dans la nationalité de votre père. Est-ce qu'il y a aussi l'exclusivité? S'il y en a, chez nous, on ne te prend pas. Maintenant, ceux qui sont nés des immigrants congolais en Europe, ils sont nés belges par le fait de l'Eyus Soli, est-ce qu'ils peuvent revenir chez nous? La loi conditionne, est-ce que chez eux-là, on peut renoncer à la nationalité. Comme le cas du Rwanda où on ne peut pas renoncer, par exemple. Voilà. C'est des conditions que pose la loi. Donc, si là, tu es né, tu bénéficies du Ius Soli, pour devenir congolais, il faut que dans votre loi, qu'il y ait la possibilité de renoncer. S'il n'y en a pas, tu ne peux pas devenir congolais. Parce que si tu viens, tu auras deux nationalités. Deux nationalités. Et ce n'est pas possible. Pas possible chez nous. Est-ce que chez nous, nous pouvons renoncer à la nationalité? Nous, oui. Nous, on peut renoncer. Oui. On peut perdre, mais même perdre. Même perdre. Mm. Mais si vous perdez, vous devenez apatride. Non, perdre, ça veut dire vous la perdez au profit d'une autre nationalité. Très bien. Alors, le Rwanda, par exemple, où là, il paraîtrait que la renonciation, elle est impossible. Donc, c'est ça la loi. Ouais. Donc, si nous, un Rwandais... Un Congolais qui est devenu Rwandais? Non, un Rwandais ne peut pas devenir Congolais. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de possibilité de renonciation à la nationalité rwandaise. Et un Congolais rwandais? Un Congolais qui est devenu Rwandais. Qui est devenu Rwandais, oui. Ne peut pas aussi renoncer si l'État là les tient dans ces conditions-là. Oui, parce que l'État les tient déjà. Oui, il ne peut pas revenir. Voilà, donc un Congolais qui a mis au monde au Rwanda, dont les enfants sont devenus Rwandais, ces enfants-là ne pourront jamais devenir Congolais. Pas même président, mais être seulement Congolais. Congolais ne peuvent pas. Mais c'est très dangereux alors. Non, mais... C'est un choix. C'est ça le choix de notre législateur. Il dit, nous ouvrons notre nationalité, mais avec des conditions. Que là, qu'on vous reconnaisse le droit de renoncer à cette nationalité là-bas. Mm. Parce que chez nous, elle est une et exclusive. Mm. Si là-bas, il n'y a pas de possibilité de renoncer, vous ne viendrez pas chez nous. Alors, on va terminer ce débat quand Kanté Bilingaï dit. Il faut rappeler une chose. Je voudrais bien le dire. Ça va peut-être vous provoquer. Il faut quand même le dire. Vos enfants, ta belle-fille qui est immaculée, tombe amoureuse de Christian Philippe. Non, les deux, nos enfants vont se marier, t'inquiète. Mais maintenant, je dis que immaculée tombe amoureuse d'un Français. Oui. Et il se marie. Mmh. Il se met un beau garçon au monde. C'est ton petit-fils. Oui. Il dit, je suis le petit-fils de Kanté Bilingaï. En moi coule le sang de Kanté Bilingaï. Oui. Alors, il veut devenir président de la République. Et quelqu'un lui dit, non, tu ne peux pas devenir président de la République. Parce que tu vois, ton père est allemand. Et donc, bien que ta mère soit congolaise, mon papa, il est... Non, mais écoutez, toi, tu es là-bas. Est-ce que tu penses que ça va arranger? Monsieur Christian, tu me poses la question de savoir les conventions doivent avoir l'acceptation de tout le monde ou de la majorité? La majorité. De la majorité, c'est ça. Parce qu'il y a des opinions, l'opinion dissidente. Si vous refusez, vous allez subir la rigueur de la majorité qui domine. Et puis pour changer, ça va être compliqué. Il faut être majoritaire pour changer une disposition. Ça va être compliqué. Maintenant, pour changer la Constitution, avec les risques de ceux qui estiment que
le sénateur à vie aura droit de postuler, il faut passer à la 4e République. Je voudrais bien vous intéresser sur la question de la 4e République, justement, mais je suis en train de voir. En quoi est-ce que réviser l'article 10 donne à Kabila la possibilité de retourner au pays, disons de retourner au pouvoir? Non, il ne peut pas revenir. Mais pourquoi, pourquoi? Il y a incompatibilité. Mais pourquoi ces juristes disent ça? Non, c'est pas. Vous savez, monsieur Christian, j'ai toujours été. Même Fassi Kalombo a dit ça. Non, écoute, non. Je te rappelle, nous sommes avec toi en Toge, en 2013 ou 14, comme ça, devant la Cour suprême de justice. Nous rencontrons un professeur de droit. Ah, il s'appelle encore. Kifouabala, les Kileza. Il est toujours en vie? Oui, il est en vie. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit à propos des politiciens juristes? Et les juristes politiciens. Et c'est difficile pour un homme politique de réfléchir librement aux juristes. Parce qu'il s'est dit, mec, est-ce qu'il faut que je fasse plaisir à mon chef? Alors, un peu, c'est très difficile. Or, la science est rebelle. Par nature. Par nature. La science ne veut pas des encadrements. Non, comme tel est debout, il faut passer. Non, non, la science, quand on réfléchit, c'est sans couleur. Quel est le lien entre. L'actuelle constitution, oui, exclut Joseph Kabila à devenir chef de l'État. Pas pour paraphraser le professeur Mbata qui dit qu'il faut mourir et renaître, mais parce que l'article, je crois, 8 ou 9 de la Constitution, qui dit qu'il est sénateur à vie. L'article 8, non? C'est plutôt l'article 108. L'article 108, je crois bien. Oui, c'est l'article 108. 108, qui on va dit... trouver l'article 108. Je suis là. L'article 108, qui dit le mandat de député national est incompatible avec... c'est l'article 108 ou 104, je pense. 109, le sénateur à vie. Oui, sénateur à vie. C'est l'article... Ouais, 104. 104. Voilà. 104, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le 8e alinéa. On s'est trompé. C'est 104, 8e point. Oui. Alors, on dit, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Voilà. Les mandats des sénateurs et des députés est incompatible. Ouais. Avec? Avec le mandat des sénateurs, et vice versa. C'est un mandat incompatible. Comment il va renoncer à ce mandat-là? Parce qu'il est sénateur à vie. Mais comment? Je me pose la question de la même manière. Comment nous mélangeons l'article 10 à l'article 220? Je comprends pas. Quelqu'un a dit ce mélange est ce que, dans les jargons de la presse, on dit, bon, aussi par tricherie, raccordement frauduleux. Oui. Non, il veut le justifier. Non la loi, mais ou la lire dans ce que la loi dit, mais justifier leur position par rapport à leur parti, à leur leader. On va terminer. C'est ça les droits. On va se lever. C'est ça les droits tronqués que nous combattons. Merci beaucoup, maître Eddy Kantabilinga. Mais pour la 4e République, je crois que. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas retarder, ramener le pays en arrière? Et puis, je voudrais que l'on puisse avoir un rendez-vous avec vous sur la 4e République, mais surtout sur le système politique adéquat pour nous, qui nous ressemble. Moi, je suis un... Qu'on n'a pas défini par, oui, par conflit de positionnement depuis Sunset. Oui, moi, je voudrais. Moi, personnellement, je suis un fervent disciple du système présidentialiste. Je sais pas pourquoi je suis obstiné par le système politique américain, que je trouve très complexe. En même temps, je sais pas, vous, pour vous, vous pensez que le mieux serait quoi exactement? Maître Christian Bossembe, que j'aime toujours appeler maître confrère, les rêves de tout enfant, lorsqu'il est aux affaires dans son pays, c'est d'exercer le pouvoir et non le partager. L'exercer dans l'intérêt de tout le monde, c'est le système préférentiel. Lorsqu'on est élu au suffrage universel, direct, et qu'on est redevable envers les peuples, c'est ce système qui est le mieux à installer dans ce pays. Non, le système présidentiel. Oui. Est-ce que parce que on ne craint pas l'hypocrisie, la dictature. L'hypocrisie que nous avions politique, pas de politique et de positionnement. Ce qui a fait qu'on ait le système présidentiel, entre le président présidentiel et la présidentielle, vous avez le président avec beaucoup d'attributions,
Premier ministre, non, mais c'est lui qui gère le gouvernement au quotidien. Vous avez le Parlement qui ne contrôle pas le président qui est le chef de l'exécutif, parce que l'exécutif est bicéphale, mais contrôle le gouvernement. Donc, on dit, le Parlement contrôle les actes du président, puisque en tant que tel, il pose des actes en tant que président de l'exécutif national. Ce qui est bien dans tout ça. Oh, c'est des incommodités qu'on doit élaguer dans la Constitution. Voulez-vous qu'on fasse un débat la semaine prochaine sur la... La quatrième république et le système adéquat pour nous. Je suis d'accord pour faire ce débat. Nous devons évoluer. Mais je propose qu'il y a une condition pour aller à la quatrième république. Okay. Nous devons adopter le plan de reconstruction pour que, quand la quatrième république va venir, navigue sur le plan de développement et non commencer à inventer la roue. On va le faire pour ça. Merci beaucoup, Kanta Bilingaidi. Merci beaucoup. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Okay. Je vois un monsieur très intelligent, très pertinent. On va continuer à travailler sur la question. Merci beaucoup, monsieur Christian Bossembe, cher ami. Flatté d'être invité dans ton émission. Je suis de la classe qui, si j'ai dit t'adorer, c'est peut-être un peu... Non, comment il adore quelqu'un. On s'adore mutuellement. Je t'adore mutuellement. Parce que tu es l'expression du Dieu vivant. Merci beaucoup, mon ami et frère. Merci beaucoup. Alors, avec le grand plaisir, on se retrouve fait des coucous à Immaculée. Également, future belle-fille. Également, embrasse-moi, Christian Philippe. Ça sera un honneur. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un grand honneur. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte mon esprit et que Dieu bénisse mes âmes. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Bon ina ka biloko etazini. Oni koko mama bona bona bo genèse. Mona etazini. Tata yo kikolela na bino. Atinde li bino. Mama Samira. Ndenge ozala kan etazini okolela lokola mutwaza na mombele. Lokola mutwaza na ngaba. Merci mon bou. Wow! C'est mon bou. Bana etazini. Kolia bio et komi lolingi na bino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebi toyo. Che mama Samira, mansom azali. Elo komo kote yo koluko komo nate. Nandenga va bete, pona kozwa biloko a detay. Yoka numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 Avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Misia koka uka. Mongusu mafute mbila. Et koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, kombone mama Samira. Makian bae. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Nothing.
pour